Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde. Mon monde, en moi, c'est des salons spirituels. Si vous voulez un salon de déblocage, des chances pour les mains percées, ou bien si vous voulez souder un peu, donner un peu de sucre à votre couple, venez me voir en privé. C'est vraiment naturel, ce sont des salons. Si là, qu'est-ce qu'il faut changer avant minuit? Donc, entre 23h et 1h du matin, disons comme ça, là, l'eau balai. Changer le balai, ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est souvent conseillé de changer les balais chaque fin de l'année. Les sous-vêtements, vous devez aussi changer des sous-vêtements. Ouais. Vous changez le sous-vêtement. La brosse à dents, c'est normalement c'est conseillé tous les 6 mois. Brosse à dents à changer tous les 6 mois. Les rideaux, moi j'ai déjà changé les rideaux. C'est neuf, c'est égal, hein. Vous pouvez changer ça, les rideaux, tous les 6 mois. Il y a les gens qui changent les rideaux tous les 3 mois. Vraiment, c'est très important. Les gens ne pensent pas, n'y pensent pas. Mais il faut toujours changer l'intérieur de chez vous. Lavez votre sol avec du sel demain. Ça, c'est aussi très important. Excusez sur le téléphone. Lavez votre sol avec du sel. Essayez vraiment de changer même le salon, la salle à manger. Pour la télé, ça, c'est pas possible. Le lit, pourquoi pas votre lit? Essayez seulement de tirer, de balayer tout, vraiment tout. Donc, tout remettre à neuf. Voilà les gens qui sont avertis. Comment faire pour entrer dans la nouvelle année avec des nouvelles choses, quoi. Changez votre façon de parler, votre façon de rire. Votre façon, vraiment, plus beaucoup de choses à faire. Pour ceux qui veulent avoir une année, comment dire, plus ou moins, ni positif, beaucoup de négativité, disons comme ça, que d'avoir toute l'année, tout est négatif, c'est pas bon. Surtout quand l'année commence avec un mauvais pied, comme on dit, sache que toute l'année, elle est foutue. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore fait des purifications, c'est le moment. Il y a d'autres qui font des purifications uniquement aujourd'hui, là, à minuit. Ah oui, bon, ça, c'est les personnes qui savent déjà comment ça se passe. Aller faire une purification à minuit, faire un déblocage. Non, je veux dire, faire une protection entre 18h maintenant, entre 18h et minuit. Voilà. Entre 18h et minuit, faire une protection, ou bien même avant 6h du matin, faire une protection. Pour ceux qui savent, hein, comment ça se passe, pour ceux qui croient à la spiritualité, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Il y a des gens comme ça, il y a des gens que pour eux c'est Dieu, Dieu pense que Dieu est pour eux, faut que Dieu les protège, Dieu leur donne l'argent, Dieu leur donne la maison, Dieu leur donne tout. Il y a d'autres, il y a les gens qui sont comme ça. Mais depuis que Dieu leur demande, ils demandent que Dieu leur donne tout. Est-ce que Dieu les. Parce qu'on ne se pose pas des questions. Est-ce que depuis là, est-ce que Dieu m'a donné ce que je veux? Depuis mon bas âge. Donc, voilà les amis. Encore une fois, moi je suis membre de l'IEBLEMA. Si vous voulez être membre de l'IEBLEMA, c'est le moment. Chaque Africain doit avoir un compte de la crypto-monnaie. Vraiment, c'est presque obligatoire. N'oubliez pas que moi, je vends des savons de déblocage, des chances pour les mains percées. Le savon pour, si vous voulez chercher l'amour, il y a le savon. Si vous voulez un savon de protection, il y a même une vidéo sur ma chaîne. Ou bien, si vous voulez que moi, je vous fasse le savon, venez me voir en privé. Il y a des savons pour les enfants qui ne marchent pas. Il y en a encore, je pense, 3 ou 4 savons pour les enfants qui ne marchent pas. Vous savez pourquoi les enfants ne marchent pas vite? C'est à cause de qui? De nous les parents. Donc, presque récapitulatif, vous avez besoin seulement de changer, vraiment changer tout. Jusqu'au sous-vêtement, vous changez. Brosse à dents, ça se change normalement tous les 6 mois. Pour ceux qui ne savent pas, on change sa brosse à dents tous les 6 mois, on change. Peut-être même, il y a même d'autres personnes, tous les 3 mois, ils changent leur brosse à dents. C'est le moment de faire des purifications. C'est le moment de se protéger pour l'année. Il y a les protections de 6 mois, il y a les protections d'un an, il y a les protections même de 3 ans, il y a les protections de 20 ans. Hein. Mais là, comme moi j'ai souvent l'habitude de dire que ce n'est pas
Parce que tu t'es protégé pour 20 ans, que tu vas rester comme ça là, sans te protéger encore une fois. Donc, on doit continuer à se protéger et régulièrement, à faire attention à nous, à ne pas faire des problèmes à quelqu'un que tu ne connais même pas. Ou bien entrer dans des histoires que tu ne connais même pas. Tu fais l'hostile, on dit que viens m'aider à détester. Parfois, ça tourne souvent, ça vient tomber que sur ta tête. Donc, faisons attention à ça. Donc, voilà les amis. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez même discuter. Moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.